Salut tout le monde. Tu étais en train de parler, je t'ai coupé le sifflet. On se retrouve sur la bêta de Battlefield 1. On est sur la même map parce qu'il n'y a qu'une map. Le jeu est génial, on s'éclate, c'est beau, les graphismes sont beaux même si on joue pas pour un jeu pour les graphismes. Le gameplay est très très réaliste. Le recul des armes, les snipers, c'est-à-dire la redescente de la balle. Les effets visuels, par exemple la poussière, les explosions, le feu, tout ça. Tout est beau, le gameplay est beau. Petit bémol, alors le petit bémol que je trouve, il est sur la communauté. Ça joue pas du tout objectif en fait. Je sais pas pourquoi. Personne te ranime, tu peux te faire crever devant un médic qui va pas te ranimer, il a autre chose à faire. Hein, on est à la guerre. C'est un peu dommage, donc là je joue au sniper. Et je vais me faire. Ouais, moi aussi je me suis fait sauver une fois. Ouais, donc là j'ai hit un mec. Là j'ai tué. Ok, j'ai encore hit un mec. Ouais, je me fais tirer dessus. Ah non, je me faisais tirer dessus par un tank donc il m'a explosé la gueule. Hein, on va pas. J'ai. Alors on remarque, hein. La plupart du temps, si tu tires pas dans la tête ou au-dessus du dans le cœur, quoi, tu fais un hit marker. C'est pas du tout comme sur Call of où c'est un one shot. En fait, c'est j'ai remarqué, hein, mais au fur et à mesure des Battlefield, le sniper devient un peu plus pas dur, mais il est plus rapide que sur Battlefield 4, mais il beaucoup moins puissant. Hein, il fait beaucoup moins de dégâts, mais il est beaucoup plus rapide. Du coup, ça compense en fait. Et c'est aussi agréable, hein. Les deux sont très agréables, je trouve. Alors, là, je viens de me faire buter en après avoir juste spawn. Et en fait, voilà, l'endroit là, vous voyez toute la falaise ici, c'est l'endroit des campeurs. J'ai déjà dit sur les précédentes vidéos où on sait pas, hein, si elle sortira cette vidéo, on peut pas savoir si j'aurais déjà dit. Bref, ici, ça campe. Ici, ça campe, c'est l'endroit des grottes. Il passe le couille lui. Voilà, souvent quand je fais un hit marker sur un mec, j'ai tendance à le terminer tout simplement. Oh, gun ou M1911. Parce que c'est lourd de faire des hit marker au bout d'un moment, ça casse les couilles. Non. Quoi? Oh le bâtard. Alors lui c'est gavé. Ah, bravo, bravo. Non, bravo fils de pute, parce que franchement il est de la chatte. Culé, je te baise. Putain, alors lui, putain, il perd rien pour attendre lui. Hein. Vas-y, y a pas un tank là? Ouais, y a un tank. Ok, on est en tank, on est sur le heavy tank. Il casse des culs, tout simplement. Il casse des culs. Donc il y a cette arme qui tire des. Voilà. Et ça, c'est une sorte de fusée à pompe. À arme à échelle plutôt grande, puisque c'est à échelle d'un tank finalement. On va aller dire bonjour aux monsieur qui campent au point F, qui sont de passage, on sait pas, on verra. Donc là je fais du 2-3, c'est dégueulasse. On va se ressaisir les amis, on va le faire ça ensemble. Ok. Un début de partie peut être catastrophique et la suite peut être magique. La rime elle était pas faite exprès mais ça fait plaisir. Kylian, t'en es à où toi un peu sur ton score? T'en es à du 1-4 mais ça joue objectif donc ça fait plaisir. J'ai chopé le point B et là je rush vers F pour aller récupérer. Parce qu'en fait j'étais dans un tank, mais ces connards qui jouent pas objectif, bah ils sont juste cassés au calme. Alors que moi je voulais qu'on aller récupérer F, mais du coup j'y vais tout seul à F. Eh ben moi aussi je vais sur F là. On sera deux. Ah mais je me suis fait tuer. Ah ouais, alors il est où le mec? Il est quelque part, on est parti maintenant. Et là, je spawn sur toi. Là, tu m'entends planer là. Non, mais alors prends ton temps parce que ça a rien de faire ça. Hein. Pardon? Ça a rien de spam. Mais... Attends, depuis le temps qu'on se connaît, tu vas me parler mieux maintenant. Ouais. Pardon, excuse-moi. Et ensuite, on va choper le point G. Hein. Oui, on va choper le point J. Allez, monte. T'es monté dedans? Ouais, t'es mort. Ok. On joue objectif, on peut pas forcément des kills, machin, tout ça. Nous, on est là pour se faire. Tu tires sur quoi? C'est toi qui tires là? Non, c'est vrai. Non. Il y a un autre mec avec nous dans le tank. J'espère qu'il
Ah, on est 4. On est 4 dans le tank. Ah bah y'a du monde là, tu vois. Genre. Voilà. Voilà, c'est le sort de fusil à pompe dont je vous ai parlé. Alors, voilà, toi. Je l'ai raté. C'est pas grave, on s'en fout, on est là pour prendre le point G. Pas les couilles du reste. On est là pour trouver le point G, les gars. Le point G qui est quand même le point le plus mythique du jeu. Hein. On est d'accord? On est d'accord pour ça? Allez hop, le petit drapeau anglais qui fait plaisir, puisqu'on est. Donc il y a les Turcs contre les Anglais, hein, voilà, on est sur une map désertique. On est en Égypte, conflit, première guerre mondiale. Ah, t'aimes bien ça, toi, les points de. Est-ce qu'il y a du. Ah, bah y'a un mec là. Genre, je l'ai pas eu. Alors, ce tank là, c'est le plus lourd qu'il y a. Il fait bobo au cul. Mais ben, je crois qu'ils sont en train de prendre F là. Ouais, lui il était dans la merde. Mais remonte. Qu'est-ce que t'attends? T'as le mec qui nous fait perdre du temps quoi. On va au point. Ouais ouais, de toute façon ils sont en train de le prendre là. Ça se trouve. Ah non, ils peuvent pas le prendre quand ils sont sur les falaises, et ça c'est une bonne nouvelle parce que ça serait chiant. Du coup, on va voir comment ils vont réagir quand ils vont voir notre bel engin arriver sur leur zone. Où est-ce qu'ils sont, les cons? Ah, mais il y en a un juste là. Voilà. Au revoir, à bientôt. Le gameplay en tank est kiffant. Et on a vraiment l'impression d'être dans un tank. C'est hyper réaliste. Regardez les trous d'obus comme ça. C'est vraiment beau. C'est très bien fait. C'est ce qu'on aime, on veut du réalisme dans un jeu. On aura le cul des exosquelettes et des jetpacks. Mais... Voilà, c'est tout. Je pense que un jeu comme ça sur la Première Guerre mondiale, aussi, parce que là, faut le dire, il est travaillé quand même le jeu. Même c'est la bêta, je sais pas pourquoi je l'ai pas eu lui. Bon, même si c'est une bêta, pour moi le jeu là, franchement, y a rien à dire. Ça bug un peu quand t'appuies sur Start, puis c'est tout. Bon, allez, toi, je t'écrase, tu m'as cassé les couilles. Les mecs, ils sont chiants. Hein. Bon, c'est-à-dire que moi, je vise pas très bien non plus, mais les mecs sont chiants. Toi, ta gueule. Oh, la bonne toux, là. Ça, tu couperas au montage, mon gars, c'est dégueulasse. Je me tue. Ah, coupe ton micro, c'est immonde. Voilà, donc là, on entend concrètement que son micro est fermé, là. Fermé, qu'est-ce que je dis? Coupé. Toi, tu me fermes ta gueule. Ça va mieux. C'est chiant quand tu peux pas tirer. Ah, la bonne pique. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Oh putain, du bloc, oh putain, du bloc. Alors, on va s'arrêter, on va réparer un peu le véhicule. Ah non, non, je peux pas. Je vais sortir du véhicule, il y a un mec qui va me voler ma place. Bah, je vais faire moi, si tu veux. Bon, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Est-ce que t'as un marteau? Bon, vas-y, 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 c'est bon. Ah, je suis mort. On est sorti. Quand tu spawns sur moi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas directement prendre ma place et tu me la redonneras après, ou alors c'est toi qui conduis après, enfin, comme tu veux. Mais sachant qu'on prend mon gameplay, ça serait mieux que ça soit moi, quoi. Ah ouais, je peux le réparer comme ça carrément. Comme ça, ça m'en donne pas non plus beaucoup. Vas-y. Ouais ouais, attends, vas-y, attends, je sors parce que lui il me casse les couilles. Et là je vais le réparer, je m'en fous s'il y a un mec qui me vole. Non, c'est bon, j'ai pris la place. Pas qu'il y a un mec qui arrive. Ouais, je répare là.
Le gameplay est vraiment magnifique quand je fais ça, regardez. Je fais ça n'importe où sur la coque, ça le répare, c'est magique. C'est bien fait quand même, c'est bien fait. Vas-y, si tu pouvais me redonner le contrôle. Merde. C'est bon. J'ai cru pendant un moment que... Enfin, j'ai appuyé sur croix une fois de trop, mais bon, c'est... On est reparti. Bon bah ça va finalement, une petite vire en tant que se passe bien. Sur Battlefield 4 en général on se faisait vite démonter hein, parce qu'il y avait les RPG, il y avait les... puis là il n'y a pas le jeu entier donc il n'y a pas tous les niveaux donc je pense que ça va vite changer hein, parce que là pour l'instant franchement quand tu vois un tank t'es vraiment dans la merde. Gros big up à celui qui a laissé son cheval en plein milieu des rails hein, parce que s'il y a le train là le cheval... Ah bah il est mort. Ok. J'allais dire il allait terminer en lasagne pour faire une blague de merde hein, désolé pour ceux qui font de l'équitation. J'adore les chevaux, c'est des bêtes très sympas. Vraiment avec un cœur vraiment waouh. Bon, comme ça. Quoi? Le cœur qui sert à faire des lasagnes. Oh le bâtard. Il en manque pas une, hein. Il en manque pas une. Je sais pas aller se mettre trop bien. Surtout quand ils ont ton assiette hein. Non en vrai ça se fait pas, ceux qui aiment vraiment l'équitation c'est comme si tu disais que tu bouffais un membre de leur famille, tu vois, c'est à peu près la même chose. Pourquoi on parle d'équitation là, bordel, on s'en bat les couilles, bon. Franchement, hein, je kiffe ce jeu. Allez, le mec qui prend pas. Arrête. Arrête, arrête, les gens ils montent un dislike. Ouais j'avoue Mathieu t'en fais un beau. Ouais non parce que en réalité Kylian il parle genre le mec qui aime pas les animaux, il a 6000 chats hein, donc il aime les animaux. C'est avec une personne aimante envers les animaux. Par contre, je sais pas si on considère les insectes comme des animaux, par contre les insectes c'est des enculés de merde. C'est dégueulasse, ça pue la merde. Bon, on en a besoin des insectes. Quoi? J'entends des bruits vraiment bizarres dans ma chambre. C'est-à-dire? Voilà, donc là j'ai défoncé une façade. J'essaie de l'entrer pour le tuer, je crois. Ah. Bon bah si le micro de Kylian coupe, c'est pas parce qu'il tousse, c'est qu'il est mort. Là on se balade, on voit des ennemis de temps en temps. Voilà, comme lui là. Bon, toi c'est vraiment pas ton jour de chance hein. Fais pas le fou toi, t'es dans la merde. Tu le sais, voilà, bravo. Non, on va sonder là, on va sonder. Ouais c'est ce que j'allais faire mais avant qu'il y ait un connard. Tire. Putain le mec il a de la... Merde. Ah c'est la merde. Je vais faire des points de dé là. Putain, j'ai tiré au-dessus comme un con. Vas-y, je veux. Vas-y, attends. Je répare. Et je remonte. Vas-y, il a moins de vie que moi en fait. Il a plus trop de vie. C'est bon. Ça me pétait le cul. Ouais, mais c'est bizarre qu'il m'ait pas. Enfin, j'ai raté deux de mes tirs. Oula, toi, c'était pas ton jour de chance. Le mec en cheval, je sais pas ce qu'il fait, mais baise-le, s'il te plaît. Ouf, c'est violent ce truc là. Vous allez voir sur mon gameplay, c'est. Ah, ça rigole pas. Hein. Ça, le fusil à pompe là, je sais pas si on peut appeler ça un fusil à pompe, mais. Vraiment très violent. Très violent. Reste près de B, recule. Ok, on va se prendre des points de B. Moi, tu vas faire ça, tu vas prendre des points de B. Toi, tu fais de l'XP sur la bêta, toi, c'est ça? C'est ça le principe? Je suis sûr que tu auras un moins bon niveau sur le vrai jeu que sur la bêta. Bah là, je suis déjà niveau 10, je crois. Putain, c'est bizarre, normalement, sur Battlefield, on... Alors là, petit bug des familles, donc on passe sur mon écran à moi, ok? Allez, gros bisous. Là, moi, ça enregistre.
Comme ça, on fera la transition dégueulasse de ton écran au bien. Ah, nickel, c'est bon. Allez. Allez, petite coupure, DSL, tu te places. DSL, on n'a pas l'argent pour s'acheter un HDPVR ou autre chose. Donc, du coup, on va se retrouver sur mon écran maintenant, c'est ça? On switch d'écran, on va voir un peu la partie cachée de l'iceberg. La partie un peu nulle, quoi. Bah, la partie qui a pas trop d'intérêt parce qu'on voit juste que je suis dans le tank et je tire à travers la petite fenêtre rectangulaire, quoi. Donc, je vais sortir pour leur montrer le gameplay. Je vais leur montrer ce que c'est un vrai PGM. Bah, attends, si tu veux, je te répare ce temps. JPP, oh là là. Allez, si tu veux, tu montes dans mon tank. Hein. Oh merde, j'ai pas eu le temps de récupérer les points. Ah. Non, mais là, moi, je viens pour jouer objectif là. Okay. Tu peux monter dans celui-là, hein. Kylian, je suis en train de le réparer. Non, mais je vais à D là. Je suis en train de le retaper. Je vais démonter les mecs sur D là. Voilà, un tank tout neuf si tu le veux. Hein. Enfin, il a pas l'air tout neuf hein, quand on regarde comme ça. Pourtant, tu le prends, tu te le fous au cul, PV. Ah, celui-là, ça doit faire mal. Hein. Oh merde. Enfin, la santé se régénère tellement lentement. Ah, putain. Et voilà. Incroyable gameplay. Incroyable. Formidable. Un gameplay de plus de 2 minutes de Little DBZ qui est riche en émotions. Est-ce que t'as tué un mec pendant ces 2 minutes? Je crois. Je suis pas sûr. Ouais, parce que sinon c'est le seul mec que t'as tué de toute la partie. Non, c'est pas vrai. La partie qu'on a passée dans le tank, en fait, finalement. Bon, du coup, on va vous laisser, hein. Voilà. Bon, vous connaissez le refrain, hein. Vous nous suivez sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, sur Skype, sur MySpace. J'en ai Tinder. Skyblog. Adoptormec.com. Skyblog, Skyrock. Google Plus, très important. Très important. Les gens, ils oublient à chaque fois. Très important. Pornhub. Et c'est à peu près tout. Oui, ouais, si vous voulez, à la rigueur, on met des vidéos de gameplay sur des jeux. Voilà. Voilà. Ça va être là. Allez, ciao tout le monde. Hein, profitez de ces. Mais profitez de rien du tout, puisque les vacances sont finies en fait. Hein, c'est la rentrée, là, on se bouge le cul. Allez. Au revoir tout le monde. Ciao.